Allez, salut à tous, c'est Nixos et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série sur Civ Creation, donc la création d'une nouvelle civilisation. Je viens de simuler ma nuit avec Somnia. Il fait jour, il fait beau. C'est le printemps, non. Alors on va poser un maximum de choses inutiles. Hop, tout ça c'est inutile. Bim, tac, tac. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à mettre... J'ai pas de sable. Puisqu'il va me falloir des fenêtres. Hop, hop, hop. Alors. Non. Ok. On va mettre du sable à chauffer. Tac, tac. Puisqu'il va me falloir pas mal de fenêtres pour cette maison-là. Donc, bah c'est parti. On va continuer notre première maison qu'on avait commencé dans l'épisode précédent, je vous le rappelle. Hop. Alors, tac tac. Ici. Ah merde. Putain, j'ai plus de... C'est pas grave. Alors, ici on avait bien commencé. Je vais me faire un workbench. Putain, j'ai pas mon skin, ça fait chier. Hop, on va se faire hop des escaliers pour la déco. Alors, je tourne celui-là à la suite de l'épisode 2. Donc, si vous avez donné des suggestions dans l'épisode 2, je ne les ai pas encore. Hop, on va passer par là. Alors, si je fais le tour à 3, allez. Va pour ça. Hop. Allez. Hop. 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 Ok. Non, j'ai peut-être une meilleure idée. Faire un balcon serait stylé, ça. Alors, le bois. Hop. Tac. 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 Hop, 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 hop. Et hop, voilà. Ensuite, on f... Merde, j'ai foiré celui-là. Hop. Alors. On va passer par là. On va faire la suite du toit. Bon, les toits, c'est pas ma spécialité, hein. Je ne fais pas des trucs ultra magnifiques, mais bon. Alors, on va se faire la dose de bois, comme ça, en fait. D'escalier. De toute façon, il va en falloir. Hop, voilà. 2 x 64. Au moins, je suis pépère. Alors, voyons voir comment ça fait de loin. Ouais. Alors... Ouais, bon allez, va pour ça. Hop, alors on continue. Donc, hop, hop. Hop, le bois. Tac. Alors on va faire 2 de hauteur d'escalier. Voilà. Et puis le reste, on va boucher à la main. Comme ça fait une hauteur de 3 pour le plafond. Aïe. Ouais, c'est largement suffisant. Tac, tac, tac. Et voilà. Non, presque fini. Tac, tac, tac. Et hop. Alors, il va me manquer plus que du sable. Donc là, je vais mettre une grande fenêtre. Le sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller décorer à l'intérieur maintenant. Je vais juste faire le truc principal, quoi, le plancher. Mais je vais pas décorer toutes les maisons, sinon ça serait beaucoup trop long. Parce que déjà que je suis une quiche en architecture, s'il faut que je réfléchisse en même temps à ce que je vais faire à l'intérieur.
On n'en est pas sorti. Alors, ici, j'ai pensé un truc. Donc là, c'est notre plancher. Pour faire, parce que c'est quand même un des premiers aperçus qu'on a de l'île vue de loin, cette maison-là. Pourquoi ne pas faire... Alors, attendez. Comment je vais m'y prendre? Hop. On va faire des machines, là. Et je peux pas les mettre au sol là, mais je peux les mettre au-dessus. Hop. Ah mais je peux pas passer avec le toit. Alors parce que si je fais ça, je pourrais faire un balcon. Qui serait bien stylé quand même. Si je fais ça. Hop. Alors, ça serait ici. Hop, hop. Et hop. Merde, j'ai mis des escaliers. Tac, tac, ça peut rendre bien ça. Hop. Il me faudrait des petits pylônes en dessous. Ah, franchement, ça peut rendre bien. Hop. Hop. Voilà. 32 fence. Et là, si on met ça comme ça. Et hop. Waouh, il y a ma cassie. Comme ça. Franchement, ça rend bien. Et du coup, je peux jarter ça. Je peux jarter ça. Et je peux même mettre... Oh putain, ouais, j'ai une pure idée là. J'ai une pure idée. Alors, on va jarter tout ça. À partir d'ici. Hop, il me faudrait... Hop. De la stone. Vous allez comprendre ce que je vais faire. C'est bien stylé. Tiens, je vais mettre ça. Hop, à chauffer. On va prendre le verre pendant qu'on y est. Il me semble que j'ai de la stone quelque part, voilà. Ensuite, je dois avoir du fer. Hop. On va se faire deux seaux. Two buckets. Tac, tac. J'ai un truc en trop là. J'ai un truc en trop. Hop. Alors on va prendre de l'eau. Hop. Et on va faire une pure cascade. Qui va arriver. Alors. Ici. Alors là il y en a deux. Tac. Qui va arriver comme ça. Ça c'est stylé. Ça c'est... Merde. Ça c'est bien stylé. Alors ici du coup. L'eau elle va partir de... Hop. De canaux. Alors. Ici. Et puis. Ici. Voilà. Et là coule là-dedans. Putain c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup là, hop, on remplace un peu la terre. Il y a un truc, c'est pas grave, hop. Au même lieu, si je pouvais le faire passer. Ouf, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Ici, juste, hop, remplacer ça par de la stone. Ça, on remplace par de la stone. Hop, putain c'est magnifique. Magnifique. Hop, hop. Alors on va poser le verre.
Le verre, comment je vais le poser? Comme ça. Donc voilà. Voilà. Tac tac tac. Là, on finit le plancher rapidement. Il va me manquer un verre. C'est pas grave. Tac. On va finir ça. Alors, on va se faire crafter. Se crafter deux portes. Top. Une deuxième. Voilà. Ah, les portes se. Bah, c'est dans quelle série où j'ai réussi à les empiler? En millénaire, je crois. Alors, je crois qu'il y a un bug au niveau des portes. Mais ça, c'est pas grave. Alors, la porte est faite. Tac, tac. On n'a plus qu'à voir ce que ça donne de loin. Ouf. Un petit lag, un petit bug. Hop. Je peux pas monter à l'étage, tiens. On va se faire. Voilà, hop, une petite rope. Alors, comment ça donne? Bah, ça donne bien. Pour moi, c'est magnifique. Plutôt, en fait, remplacer les deux trucs de verre là et là par du bois brut. Je pense que c'est mieux. Je pense que ce serait mieux, ouais. On va faire ça. Des torches. Tac et tac. Putain, ça renvoie du lourd. Ça envoie du lourd. Hop. Alors. Putain. Ça fait mal au cul de péter du verre. Pour rien. Non, du coup, non, c'est cobble. Cobble. Bois brut. Hop, voilà, cobble, bois brut. Et du coup, à l'intérieur. On peut remettre du bois normal. Hop et off quoique. Non, on va laisser le bois brut, tiens. Ça va être d'autant mieux. Tac tac et ben voilà. On va dire que notre première maison est finie. Je la décore pas comme je vous ai dit parce que bon. La flemme. On éclaire tout ça. Hop, hop. Ici, on va péter ça. Le bois. Merde. Tac, tac, tac. Et puis, du coup, on va faire ça comme ça. Alors, on va faire une autre porte pour faire une espèce de pièce troglodyte. Une sorte de cave, en fait. Deux. Voilà. Et là. Alors non, pas trop. Elle était trop loin. Tac, tac, tac. Alors. Et voilà où il pourra installer, je sais pas, sa chambre ou autre. Parce que on a dit que ça ferait une ville un petit à moitié. Normal à moitié troglodyte, donc il faut bien une pièce troglodyte. Donc dans la roche. Et voilà. Et bah voilà, c'est notre première maison. Et bah je la trouve bien jolie, moi. Je sais pas pour vous, mais. Je la trouve bien jolie. Manque plus qu'à faire l'entrée. Je sais pas si je vais laisser du gravier à la place de ça, en fait. Ou si je vais mettre plutôt la stone ou. Connerie comme ça. Putain, je suis full. Je suis full, je suis full, je suis full. Hop, voilà. Alors, le gravier. Parce que le gravier, ça fait bien, mais. D'un côté.
D'un côté, c'est chiant à récupérer. Qu'est-ce que je pourrais mettre en bas? Eh bah dites, dans l'épisode 3, on regardera. Vous mettrez dans les commentaires ce que vous voudriez que je mette un comme matériau par terre. Un truc pas trop compliqué à récupérer. Et puis qui rendrait aussi bien que le gravier, parce que le gravier, on peut pas dire, mais ça rend vachement bien à la place des chemins. Et puis voilà, donc vous dites ça dans les commentaires, plus hein, si vous avez des idées de bâtiments, toujours vous n'oubliez pas. Bon bah voilà, premier bâtiment est fait. On va continuer à faire à peu près les contours à peu près propres. Puisqu'il faut quand même que ce soit à peu près propre. Tac tac tac. Ici on va laisser off. Ici je sais pas quoi mettre. Je pense qu'il va plutôt mettre de la terre. Hein. Si c'est de la terre avec de l'herbe, ça peut faire bien. Tac. Comme ça serait magnifique. Tac tac tac, et voilà. C'est magnifique. Magnifique. Hop. À cet endroit-là, je sais pas ce que je vais faire parce que c'est un peu compliqué. J'ai fait une pure cascade. Mais j'ai pas d'idée de quoi faire à côté. Hop. Alors on va faire un peu de vide dans mes coffres, dans mon inventaire, parce que c'est bien le bordel. Alors on va ranger le bois, on va tout mettre ici. Déjà j'ai une place de libre. Ça c'est du fer. Le fer on fera cuire ça plus tard. L'or pareil. Redstone. Tout ça c'est tout ce qui est à base de bois. On laisse là. L'arc, les flèches et ça on met là. L'épée, tac 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 tac. La cobble, ça je garde. J'ai pas mal de terre sur moi. On pose. Voilà. Les flints, il me semble que de y en avoir dans un autre coffre. Tant pis, on les pose là. Bone meal. La carte, je la garde. Le coal, j'en ai un peu beaucoup sur moi, je trouve. On va quand même faire un maximum de torches aussi. Hop. Comme ça je suis tranquille. Voilà, j'ai déjà fait après le vide dans mon inventaire. Donc c'était pour récupérer cette cobble. Tac tac tac. Voilà. Alors on va prendre tout ça du coup. C'est bien pratique ça quand même, hein. Ça donne pas mal de trucs. Alors le sable, je garde. Ça, je pose. Merde. Hop. Hop. Je fais un petit passe-passe là. Ça, je pose. Ça, je garde sur moi. Hop. Cobble, tralala. Et le... Hop. Le sable. Pendant qu'on y tient, on va récupérer du sable en effet sur une plage un peu plus loin. Alors on va... Je joue pas en hard, merde. Désolé. Je crois que c'est depuis l'épisode 2 en plus. Je ne joue pas en hard. Désolé, j'avais complètement zappé. C'est pas grave. Tac tac. Hop. Voilà. Allez, on récolte ça à l'arrache. Hop. Voilà. Pas mal de sable en un coup comme ça. Juste on va mettre... Merde. Bon, tant pis. Hop. Hop. On va essayer de... stabiliser la situation un peu pourrave qu'on est
entre en divre. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et voilà. Bon. Là, j'aurais pas mal de sable. Non, c'est tout à fait réaliste de marcher sur des nénuphars. Complètement faux. Alors. Hop, on va remettre ça à cuire. Au moins, on aura de quoi faire. Alors, on va... ce qu'on va faire. Parce que là, comme on peut le voir, il y a du gravier qui sert à rien. Même beaucoup de gravier qui sert à rien. Alors, pourquoi je récupère pas avec la pelle? Parce que tel avec la pelle, j'ai pas récupéré un gravier. Et c'est l'arnaque. Hop. Voilà, bon. Tac. Ouais, même ici en fait, si j'enlève ça, je pourrais mettre des escaliers en cobble. Tac, 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 escalier en cobble. Tac. Ici. Tac, 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 tac. Oh la salope! Oh putain, la salope! Oh le putain, l'enfoiré de merde. Waouh, il m'a niqué ma vie et putain. J'ai pas de bouffe en plus. J'ai que de la bouffe avariée. Non, j'ai des pommes. Voilà. Putain. Oh la salope, j'y crois pas. Le traître. Il me prend par l'arrière. Bon bah du coup, hop, hop, on recommence. Putain, il m'a niqué. Il a dû niquer du gravier, cet enfoiré. Enfoiré de merde. Alors du coup ici il y avait de la terre. Putain, ça fait des sacrées explosions quand même. Hein. J'avais oublié à quel point c'était grand. Le principal c'est qu'il n'ait pas touché ma maison. C'est le truc principal donc. Ici, hop, on était à dire que j'ai fait de la merde. Non, comme ça. Hop. Voilà, du gravier là. Tac, 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 tac. Ok. Alors, on va vite se faire des escaliers en cobble. On va s'en faire 16. Ça suffira. Alors. Déjà ici. Tac. Hop, hop, hop. Ah bah, il y en a en dessous qui servent à rien là d'ailleurs. On va économiser ça. Hop, hop. Il y en a même sacrément qui servent à rien là. C'est ouf. On va pas tout récupérer parce que c'est chiant à la main, mais. Alors ici, hop, hop. Voilà, ensuite. Voilà. Il m'aurait fallu la terre. Tac, tac, tac. J'ai plus d'escalier. Alors. J'ai plus de cobble. Cobble moi. Bah non, j'ai plus de cobble. Je vais prendre de la terre. On va éliminer un peu de cobble. Donc on va commencer à faire aussi une mine à ciel ouverte. Toujours dans l'aspect réaliste. Alors, parce que si je veux faire un truc réaliste dans le sous-sol, il va falloir que je fasse des trucs en bois et tout pour
supporter la lourdeur de la... Non, putain, mais merde, ils viennent d'où quoi? Putain. La lourdeur des trucs de la pierre. Putain, mais ils arrivent d'où quoi? Fait chier. Ça va me baiser tout mon stock de... Putain. Ça, c'est les creepers, ça me fait rager, mais... Faut même pas imaginer. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, ça c'est fait. Putain, il y en a un là-bas, je vais lui buter sa gueule à lui. Mais crève quoi, mais... Mais oh putain, il y en a deux même. Vas-y, crève, crève. Vas-y, bim. Vas-y, crève, vas-y, crève. Vas-y, explose si tu veux, fais ta plaise. On m'en fout, je t'ai buté. Avec une vache, ça fait quoi? Tu vois, pas mal de bois là encore. Hop, on va péter un peu tout ça. Aïe, je l'ai pas vu venir ce trou là. Hop, hop, hop. Pas mal de bois, ça c'est pratique. Bon, on revient à nos moutons. Je disais. Je disais que les creepers me faisaient casse, qui me faisait chier. Ici, il fallait que je fasse des... Ah oui, de la cobble. Une mine à ciel ouvert, voilà. Alors, la mine à ciel ouvert, on va pas la faire à l'entrée de la ville. Ça paraît logique. Donc on va aller un peu explorer du coup. Et pour aller explorer, on va poser tout notre stuff. Hop. D'ailleurs, pendant que j'y pense, mon avis, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ouais, ça fait même très longtemps qu'on est ensemble. Donc voilà, je vous dirai à la prochaine. N'oubliez pas les petits commentaires, les petits j'aime, tout ça, tout ça. Abonnez-vous. La page Facebook, l'oubliez pas. Je vous dis à la prochaine dans l'épisode 3. Portez-vous bien. À ciao, bye bye.